Como ya la vi, solita, pues me pregunté ¿Qué pasa cuando me bailó? Cerquita, eso fue descomunal Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es Cómo hacerlo, mami, contra la pared No me dice Un petit cadeau à Nabila. Ça, c'est ce que je vais emmener à Nabila. Je vais lui acheter un coffret, un parfum et un sac. Ça, c'est les sacs des cadeaux pour Nabila. Mariam. Cadeau pour... Non, pas pour Mariam, pour Nabila. De Nabila. Oui. Allô, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Moi, je viens d'arriver pour déposer le cadeau. En fait, la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de leur acheter les cadeaux pour les filles à la crèche. Et du coup, je tenais à leur offrir quand même des cadeaux parce qu'ils étaient trop mignonnes. Elles étaient trop mignonnes avec Elissa. Donc voilà, donc j'emmène le premier cadeau. Le deuxième, je le dépose à 14h et le dernier, vendredi. Voilà, donc je vous emmène avec moi aujourd'hui. La journée est bien chargée. J'ai pas mal de rendez-vous. Un à 14h, je dois rentrer et sortir à la maison, faire des allers-retours. Et ensuite, rendez-vous à 17h. Après... À préparer le dîner, j'ai une amie Audrey que vous avez déjà vue sur Instagram. Et puis, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon compte ici, c'est Narimen Sultana. J'espère rentrer pas trop tard pour préparer le dîner. Voilà, c'est assez frais à Paris depuis hier. Alors, moi, je suis à l'avance là, donc j'attends. Je lui ai dit 11h30, il est 11h. Donc, voilà. J'ai du mal à regarder, normalement, je dois regarder là-bas. Voilà, bisous. Et là, je vais emmener le deuxième cadeau. C'est un parfum plus petit, le deuxième cadeau, parce que la première, c'est la favorite. Et du coup, je vais aller déposer le parfum. Et ensuite, je vais faire un tour à Kiabi, parce qu'on va se retrouver à côté de Kiabi. Je vais essayer d'acheter des cardigans, des choses comme ça, parce que j'ai acheté que des robes. J'oublie qu'en France, que l'été, il peut s'arrêter d'un coup, que ça peut durer qu'un mois. Parce que c'est le cas, là, la preuve. Je suis en veste, il fait un petit peu frais. Donc, je vais chercher des gilets à Kiabi. Et je retourne à la maison pour ranger, parce que c'est un peu le bazar encore. Et ranger et travailler un petit peu. Et préparer le dîner surtout pour ce soir. Donc à tout à l'heure. Parti pour mon dernier rendez-vous de la journée avant de récupérer Elissa, place des Vosges. Ma place préférée à Paris. Là, il va falloir que je trouve une place. Ça va être complicado. Mon chéri est passé par la Thaïlande, donc il nous a ramené des fruits. Oh my god, on a plein. Ça. Très bon ça. Mangue. Et fruits de la passion. Tina là. Waouh. C'est dur. Merci Loulou. Et voilà, le jus de quinoa est prêt. Voilà, maman, voilà. C'est par là. C'est par là. Allez, on y va par ici. Le canard. Comment y a la vie? Solita, pues me pregunté ¿Qué pasa cuando me bailó? Cerquita, eso fue descomunal Dale, dale, tra, tra. Le look du jour Là, on vient d'arriver à Chantilly on est vendredi On va partir dans le village prendre un verre Et ensuite revenir, préparer le dîner tranquillement On va rester 3 jours, je pense Donc je vous emmène avec moi, je pense toute la semaine Ça sera un weekly vlog, à mon avis Parce qu'en ce moment, je suis trop... Allez, let's go. On y va? Tu prends la casquette. Allez, hop. On y va? Regardez la lavande, elle est magnifique. Tu viens, Doudou?
y en a plein. Ouais, tu vois. Soleil. Il y a du soleil, ouais. Como ya la vi, solita, pues me pregunté qué pasa cuando me bailó cerquita. Eso fue descomunal. Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es. Cómo hacerlo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las tres. Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es. Tiene belleza, vamos a ver ese booty más con tremenda certeza. Con esos ritmos y un par de cervezas, ya nos ambientamos porque esto apenas comienza. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Et voici ma tête. Aujourd'hui, je suis pas maquillée. J'ai laissé un peu ma peau se reposer. C'est mieux maquillée, mais bon. Voilà. Ce matin, j'avais un short, mais il faisait un peu frais avec le vent. Donc, j'ai changé. Bon, il va falloir que je fasse un masque quand même ou quelque chose parce que. Et à tout à l'heure. Elle porte sa robe, elle a porté ça pour son anniversaire, pour ses 1 an. Si vous bien regardez, c'est pour ton anniversaire, ouais. Tamatem, ouais, tamatem. Elle dit Warda. Warda, attention, ça pique. Ça pique. Oui. Ça pique, Loulou. Voilà et tamatem. Voilà et tamatem. Voilà et tamatem. Il est là. Oh, bravo, Habibi. Bravo, château, Raïlissa. Je sais pas comment je vais faire avec elle. Elle a pas peur, là. Il y a plein de bourdons. Doudou, tu as pas peur, ma chérie? Oui. Non? T'as peur. Tu as pas peur? T'as peur. Mais laisse-les tranquilles. Elissa, non. Non! Non! Laisse-le tranquille! Non, mais c'est pas drôle! Non! Non! Tu peux pas prendre! Arrête! 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 Non, c'est pas à toi! Non! Ouais! Tout le monde, j'espère que vous allez bien! On est dimanche là, je ne sais plus quelle date, j'avoue, je sais, à l'ouest, 13 août peut-être, peu importe. Là, je vous montre ce que j'ai préparé pour ce soir. On va cuire tout à la plancha. Il fait super bon ce soir. Voilà comment je suis habillée, short. Hop, à talent, quand même à la maison. On reste chic et on reste belle, les filles, n'est-ce pas? Avec un vernis argenté. Voilà, pour un peu de soleil. Et l'oignon frais, ça c'est des pignons, mettre un peu d'huile d'olive, sel, poivre, ça va être très bon. Ici c'est du poireau avec plein d'épices. J'ai mis, pour tout vous dire, j'ai mis ras el hanout, du paprika, sel et poivre et huile d'olive. Et ici c'est la courgette, j'ai mis du citron, ras el hanout également et de l'origan. Tu te caches? Coucou. On vient de cueillir quelques tomates. Et voici la table qui n'est pas encore prête, mais j'ai mis quelques roses. Lier le piment. On va le mener là-bas. Et je vais le mettre... Elles sont trop belles, les roses. Ça fait quelques temps qu'on n'est pas venu ici. Maman, oh, cette couleur. Ça oh bas.
Je suis contente de retrouver les rosiers. C'est trop beau. Si vous avez suivi mes vidéos avant, vous avez vu que les rosiers ici, c'est très imposant. Mais là, il va falloir qu'on s'occupe quand même. Pas la photo, il va falloir s'occuper de ça. Il va falloir couper tout ça, mes chéris, demain. Ça, c'est ça. Voilà, il faut couper. Ouais. Là, ils ne sont pas beaux, les géraniums. Ils ne sont pas très beaux. Celui-là, il est en train de partir. Il est magnifique, ce rosier. Ils sont super bons. Mais il ne donne pas trop de roses comme ceux-là, par exemple. Celui-là ou l'autre. Doucement, Habibi. Regarde le château. Le château par ici. Ici. Ici, Elissa. Regarde le château. Là. Regarde l'eau et le château. Merci, ma chérie. Ah, oh, il est trop gros. Je vous fais un retour de course. La dernière fois, vous m'avez demandé, c'est vrai que j'oublie. Donc là, avant que je range, je vous montre ce que j'ai acheté hier à Carrefour. Ça, c'est mousse au chocolat, du beurre au demi-sel. C'est notre favori. Je préfère ça parce que l'odeur, le beurre ne prend pas l'odeur du frigo. J'ai pris des céréales cacao pour Elissa, le jus d'abricot et poire. J'ai pris des petits pains comme ça au sésame. J'ai pris ça pour essayer de faire tortiller alors la semaine. Une pâte à tartiner. Je vais essayer la première fois que je vais goûter Nestlé. Ça, c'est une confiture qu'on a déjà ouvert ce matin à Chantilly. Poire, vanille. Ça, c'est pour le parfum d'intérieur. J'ai acheté un troisième aussi comme ça. Des sauces pour la tortilla. Des fruits secs. Du sucre de fleur de coco, c'est mon favori. Je trouve qu'il dénature pas du tout le café et j'achète que ça. Une autre confiture cassis violette, piment doux, un peu de gâteau, des pâtes. Moi, je mange rarement, mais j'achète pour aller ça. Ça, j'adore. Quand j'ai faim, je mange parfois, pas tout le temps. Ça, c'est trop bon. J'ai acheté des deux serpillères microfibres. Des compotes pour le loup, parce qu'à Paris, je trouve rien, donc je profite. Là, c'est mangue, banane, passion. Et là, c'est que mangue. Non, banane, pardon. Et là, c'est le produit pour toilette. Et voilà. C'est hallucinant les prix, je ne vais pas vous dire, mais c'est vraiment hallucinant. Donc, voici mon retour des courses. J'ai rangé un peu. Là, je vais mettre... je vous montre d'ailleurs, j'ai déjà partagé sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui aiment cette recette, donc je vais partager avec vous. C'est très simple. Je vais d'abord couper les pommes et ensuite je montre ce que je mets avec. Et maintenant je vais éplucher, enfin ouvrir la cardamome.
J'ai coupé les pommes. J'ai fait deux plats parce que c'est bien qu'il y a un petit peu d'espace quand même. Qui soit caramélisé, vous allez voir. Vas-y, mange la pomme, ma chérie. On va mettre des épices. Oui. Les épices. Des épices. Oui. T'as vu, Abel? Elissa, elle a été dévorée par les moustiques, ma pauvre. Voilà, donc je vais ouvrir quelques cardamomes. Là, je viens de mettre la cardamome. Celle-là vient du Maroc. Et ensuite, je vais mettre la muscade. Je vais la râper. Là, c'est la gelée de coing. Vous pouvez utiliser n'importe quelle gelée, mais la gelée de coing, elle a quand même un goût assez spécifique, donc ça donne du goût encore plus à la pomme. Là, j'ai mélangé la muscade, les épices. Je vais mettre un peu de gelée de coing. Beau ce soir, il fait frais.